C'est comme ça, on ne peut pas le voir. Moi, personne ne le savait. Si tu ne vivais pas avec moi, tu ne pouvais pas savoir que j'étais en dépression. Vincent Kedjo livre ses vérités sur son divorce avec Rim Renon. L'histoire entre Vincent Kedjo et Rim Renon a longtemps fait rêver. Après leur rencontre dans La Villa des Cœurs Brisés, ils sont rapidement devenus un couple emblématique. Mais après un mariage et deux filles, leur couple s'effondre. Derrière cette image parfaite que l'on voyait sur les réseaux, les choses n'étaient pas aussi simples. Vincent, pour la première fois, s'est ouvert sur les vraies raisons de leur divorce. J'ai vécu un divorce très très compliqué. J'en ai jamais vraiment parlé directement, même dans La Villa des Cœurs Brisés, on voit que des morceaux, donc on ne peut pas tout voir. C'est important d'en parler, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans ma situation, qui ont été dans ma situation tout simplement, ou des femmes, et qui ont du mal à se reconstruire, qui ont du mal à relever la tête. Chose qui est possible et chose qui est complètement faisable, ça ne dépend que de vous et ça ne dépend aussi que de votre envie. La décision de divorce, c'est pas forcément quelque chose que je peux étaler partout, même si je suis en toute transparence ici, ça ne me concerne pas que moi. C'est tout simplement aussi parce que ça n'allait plus, ça faisait déjà un an et demi, deux ans que ça n'allait plus, et puis vous savez, quand on tire trop sur la corde, soit il se passe des mauvaises choses, ou soit on vient se séparer, soit les deux. Pour le coup, nous on s'est séparés et on a décidé de vivre en étant heureux chacun de son côté plutôt que malheureux ensemble, et c'est aujourd'hui une formule qui marche très 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 bien, parce que du coup, certes, j'ai abandonné le rêve que j'avais plus jeune d'avoir qu'un mariage, mais au détriment d'être heureux, parce que c'est vrai que j'avais complètement perdu confiance en moi les deux dernières années de ma relation. J'avais plus confiance en moi, je ne me plaisais plus, j'avais plus l'impression de plaire, c'était compliqué, c'était quelque chose que je n'avais jamais vécu et que j'ai vécu, et c'était pas facile du tout. Le reflet de mon apparence me plaisait plus. J'ai toujours été quelqu'un qui avait énormément confiance en moi, et là pour le coup j'en manquais cruellement. Je ne voulais pas sortir dehors, je ne voulais pas me montrer, je voulais pas forcément m'habiller, j'avais plus envie, j'avais plus de goût à quoi que ce soit, si ce n'est au fait d'être à mon papa. Il y avait personne qui était au courant à cette époque que j'étais très 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 malheureux, que j'étais au fond du seau en fait. Aujourd'hui, Vincent est en couple avec Marwa et semble plus apaisé. Quant à Rim, elle est actuellement à Dubaï, en voyage professionnel, et s'affiche très complice avec une jeune femme, mais elle n'a encore rien officialisé de son côté. Vincent admet aussi avoir traversé une période de dépression après le divorce, mais il explique qu'il entretient aujourd'hui une relation respectueuse avec Rim, pour le bien de leurs deux filles. Parce que du coup, avec Rim, on a mis des choses en place, ça se passe plutôt bien, j'ai pas à me plaindre, c'est courtois, c'est poli, et puis c'est tout ce qui m'importe. J'ai mes enfants une semaine sur deux, c'est un équilibre parfait pour moi. Une semaine, je suis avec elle et je suis le plus heureux du monde. Et là, l'autre semaine où j'apprends aussi à faire des choses tout seul, à vraiment apprendre encore une fois à évoluer dans ce truc de m'aimer aussi, de reprendre confiance en moi, et puis j'ai une copine avec qui ça se passe super bien, donc du coup ça me permet de passer des moments juste géniaux et de partage surtout. Vincent laisse un message bienveillant et plein d'espoir pour toutes les personnes qui traversent des moments difficiles après une séparation.